J'ai acheté, grâce à vous et grâce à ma paye YouTube, un MacBook Air d'une valeur de 1 000 euros et j'ai donc décidé de vous le faire gagner. Pour cela, il va falloir remplir plusieurs conditions. Il faut tout d'abord être abonné à ma chaîne YouTube COD4LAN, liker cette vidéo et surtout mettre un commentaire avec le hashtag MafiaSquad. Bon, je vous avoue que 50 000 likes, ça fait un peu beaucoup, mais on va donc viser les 40 000 likes pour le tirage au sort du MacBook. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo pour que l'objectif soit atteint. Comme ça, il y aura directement un gagnant. Bonjour à tous et à tous, c'est 4LAN et laissez-moi vous dire que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver et aujourd'hui les amis on va parler des enfants voleurs. J'aimerais vous annoncer que certains enfants veulent à tout prix devenir adultes avant l'âge en grandissant trop vite. Et pour montrer qu'ils sont déjà grands, ils sont même prêts à conduire seuls et sans surveillance la voiture de leurs parents. Nous allons donc voir dans ce top les 5 enfants qui ont volé la voiture de leurs parents. Alors entre une petite fille qui va voler la voiture de ses parents pour se prendre un McDo, on quand même plus une autre jeune fille qui va voler la nouvelle voiture sportive de son père. Vous allez vraiment être choqué dans ce top, alors n'essayez vraiment pas à rester jusqu'à la fin, sachant que j'ai caché dans la vidéo un code d'une carte Google Play et il peut se trouver n'importe où. On commence donc avec deux jumeaux, fille et garçon, qui vont pendant que leur père dort lui voler les clés de sa voiture pour évidemment faire un petit tour avec elle. Je peux vous dire que le garçon au volant était tellement confiant qu'il va même à un moment donné s'arrêter pour inviter ses amis à faire un tour avec eux dans la voiture. Le pire c'est qu'il conduit très très bien, je suis limite jaloux de lui. Ensuite on passe à un garçon qui va carrément mentir à YouTube pour je pense avoir des vues car il va faire semblant que c'est son ami qui le filme en train de voler la voiture de ses parents. Mais je peux vous dire que cette vidéo a plutôt mal tourné car l'enfant va démarrer la voiture pour faire ainsi demi-tour mais il va tout à coup perdre le contrôle du véhicule qui va foncer directement dans la vitre. Je peux vous dire que la mère ne l'a jamais autant grondé après cette bêtise. On poursuit avec un enfant qui va se venger de sa mère car celle-ci l'a puni en lui enlevant sa console de jeu. Mais je trouve que ça va être une vengeance assez horrible car il va d'un coup et d'une manière inattendue se lever pour s'emparer des clés du 4x4 de sa mère et il va carrément s'enfermer dans la voiture et partir faire un tour avec. Je pense qu'il n'a pas intérêt de rentrer chez lui sinon il va se faire tuer par sa mère. À la seconde place, alors là c'est vraiment énorme car il s'agit d'une petite fille de 4 ans qui va carrément voler les clés de la voiture de ses parents qui étaient quant à eux en train de faire une sieste. Je précise qu'elle va donc conduire le véhicule à elle seule pendant plus de 2 km sans avoir eu un seul accident. Et tout ça pourquoi? Pour tout simplement aller se payer un Happy Meal au drive du McDo car elle avait très faim. Dit comme ça, on pourrait dire qu'elle est déjà adulte. Et à la première place, alors là nous allons avoir affaire à une autre jeune fille de cette fois-ci 3 ans qui cache plutôt bien son jeu car son père a acheté devant elle une nouvelle voiture Chevrolet sportive mais elle va soudain se diriger vers lui pour lui voler les clés de ce nouveau véhicule. Et là vous n'êtes vraiment pas prêt car elle va faire la pire bêtise de sa vie en conduisant à elle toute seule la nouvelle voiture sportive et aller jusqu'à 100 km/h. Le pire dans tout ça c'est que pour elle c'est tout à fait normal de faire ça, elle se permet quand même de chanter dans la voiture, elle est vraiment incroyable cette fille. Même moi je m'en jaille sur la zic. Donc voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo des 5 enfants qui ont volé la voiture de leurs parents. Et en tout cas j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en likant cette vidéo et en me disant dans les commentaires quel est selon vous l'enfant le plus fou.
Si tu veux faire partie de la Mafia Squad, tu peux mettre le logo qui est disponible en description, il existe en plusieurs couleurs, et c'est donc pour rejoindre le clan de ma chaîne YouTube, donc sois le bienvenu. Allez, on va donc mettre un hashtag de fin, pour tous les vrais là qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est le hashtag voiture à mettre dans les commentaires, en tout cas merci à vous. Allez les amis, c'était Forlan, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, allez, bye tout le monde.